Donc, maintenant, en face de moi, j'ai Marc-André Fauché. C'est sa première apparition à l'émission. Comment ça va, Marc-André? Salut, Benjamin. Ça va très bien. Merci infiniment de m'avoir invité. J'aurais aimé ça venir avant, mais j'ai... T'es un gars occupé. Où l'occasion s'est pas présentée. C'est ça. Puis... À partir de maintenant, je vais être ici toutes les semaines. je suis ton nouveau co-animateur. Bon, ben c'est super. Très content de t'avoir à mes côtés. T'habites Saint-Henri. Je sais que t'adores ton quartier. J'habite Saint-Henri depuis plus de 10 ans. Et qu'y a-t-il à Saint-Henri que j'ai découvert un soir de pleine lune en marchant avec ma douce moitié comme ça dans les rues de Saint-Henri? L'hôtel Museau. Que je voulais te donner un petit descriptif, mais tout à l'heure, tu m'as volé un petit peu mon punch en disant que c'est un hôtel pour chiens. Je te lis quand même le descriptif. Vas-y. L'hôtel Museau est un complexe hôtelier situé sur les rives du canal de la Chine, dans le sud-ouest de Montréal, aux limites du vieux quartier Saint-Henri. Gastronomie, gym privé, spa, design moderne, chambre climatisée, service de limousine, bref, le grand luxe. Seul bémol, cette oasis de détente est réservée, comme tu l'as dit tantôt, aux chiens et aux chats. Parce que oui, Benjamin, l'hôtel Museau est un hôtel pour animaux urbains. OK. Donc, est-ce que tu... Dans le fond, tu es un chroniqueur animalier aujourd'hui? Touristique. Touristique. Dire, touristique pour attirer... Je pense qu'il faudrait attirer les animaux domestiques de toute la planète et de toute l'Amérique à Montréal pour aller chercher un petit peu de financement. Ah, OK. Donc, écoute, j'étais plutôt... sérieusement, j'étais tricoté une petite chronique sur l'historique de cet hôtel-là, l'hôtel Museau, que je ne sais pas si tu connaissais d'ailleurs. Non, je ne connaissais pas. Non, t'as-tu des animaux? Non. Ah. Je ne suis pas très... Très animaux domestiques. Non, trop de poils. Je te lis d'abord un extrait d'un article paru en 2007. C'est l'année de l'inauguration, pardon, de l'hôtel. C'est un texte de Michel Joanny Furtin. Ça va te donner une espèce de portrait global de ce qu'est l'hôtel. Comme tout hôtel digne de ce nom, Museau Hôtel offre services, fitness, chambres et boutiques. Les pièces sont insonorisées et invitent au calme. Nous disposons de 4 types de chambres et cabines. Nous ne versons pas dans l'excès. Le confort canin reste simple, moderne, mais sans fioritures. Chaque cabine dispose de plats pour l'eau et la nourriture, ainsi que d'un petit lit surélevé. Quand même pas mal, à date. C'est quand même pas mal. C'est mieux que beaucoup d'endroits. C'est mieux que beaucoup d'endroits que j'ai séjourné. J'ai séjourné en frais de tourisme. L'hôtel Museau dispose de systèmes de ventilation, de salles de jeu intérieures, d'entraîneurs privés, d'évacuateurs automatiques de déchets animaux. C'est bien, oui. Veilleuse de nuit, vétérinaire 24 heures sur 24 et surtout un accès direct aux abords du canal de la Chine. L'article n'en parlait pas, mais sur le site web et sur d'autres articles aussi, on parle aussi d'un club privé pour les animaux. OK. Est-ce qu'on fume cigare? Non, c'est pour le gym et le spa. Ah, OK. Pour ceux qui veulent profiter du spa sans y passer la nuit, encore une fois. Je trouve ça assez pratique. Ben oui. Je te connais, Benjamin. Tu veux savoir combien ça coûte? Ben oui, parce que j'ai pas des gros moyens, malheureusement. La suite présidentielle, pour chien, à peu près 80$ par jour. Ouh, c'est pas donné, hein? Un peu moins cher pour les chats, peut-être, si tu veux. $40 pour la chambre de luxe, et ça inclut le spa. Et tu peux trouver quelques dollars si tu laisses tomber le service de transport en limousine de la maison à l'hôtel. Pardon? Transport en limousine offert, donc de la maison à l'hôtel, pour un travailleur qui s'en va travailler à l'étranger ou pour des vacances pour ton animal préféré. Mais quand on parle de limousine, j'espère que c'est une expression quand même. C'est un véhicule. Je vérifie ça puis je te reviens la semaine prochaine avec l'information. Mais avant de foncer, Benjamin, dans le cœur de la question, j'aimerais ça prendre le temps de dresser un petit portrait de la population, le fief autour de l'hôtel. Comme je te disais tout à l'heure, je suis un gars de Saint-Henri. Et tu vas me dire que ça ne dessert pas évidemment juste le quartier de Saint-Henri, mais quand même, c'est intéressant de voir un portrait socio-économique du quartier. Je te lis donc rapidement une espèce de résumé tricoté de statistiques de ces conditions-là du quartier, juste pour planter décor. Donc, Saint-Henri, ancien quartier ouvrier, typique, donc quartier Saint-Henri qui conserve encore ses traits défavorables comme... qui était commun au quartier populaire d'antan, c'est-à-dire population à faible revenu, taux de chômage plus élevé que la moyenne montréalaise, taux de scolarité plus faible que la moyenne montréalaise, décrochage scolaire, isolement, monoparentalité élevée, carence alimentaire, etc. Depuis 2001, la gentrification, et là on revient au sujet dont tu parlais tout à l'heure, oui. La gentrification donc tend à venir diminuer statistiquement les principales carences sociales et économiques du quartier, mais il reste que fondamentalement, et j'aime l'expression, on disait, ça, c'est la table de concertation de Saint-Henri qui s'appelle Solidarité Saint-Henri, je pense qu'il a relevé ça. Et qu'on disait, on n'est pas à Beaconsfield, on est à Saint-Henri. Mm-hmm. Ça fait une bonne différence quand même. C'était bien dit, je trouvais. Donc, on fait une petite parenthèse, par exemple, avant de continuer sur le sujet de l'hôtel Museau.
Si j'ai le temps. Ben oui, t'as le temps. Bon. Vas-y, on t'écoute. Depuis 2001, à peu près tous ces indices-là dont je parlais tout à l'heure de défavorisation sont en recul à Saint-Henri. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais si bien que tout ce qui est taux de chômage, scolarité, tout ça, alimentation, avec la gentrification, ça a amené quand même un certain recul de ces... On peut comprendre, c'est les reculs statistiques, que les pauvres doivent rester pauvres, peut-être, mais qu'il y a des nouveaux riches. Exactement. C'est difficile de vraiment citer tous les secteurs, définir tout ça, mais il reste que, sans entrer dans trop ces détails-là, l'idée, c'est plus de se dire, est-ce qu'un hôtel de luxe pour chien et chat, on peut l'appeler pension ou chenil, mais quand même, on s'entend que c'est le but, c'est d'héberger gentiment des animaux vivants, et peu importe si c'est toi ou un chat, ça reste un hôtel pour moi. Est-ce que donc... Excuse-moi, je suis déconcentré. Il y a quelqu'un qui prend une photo. Ben oui, ton co-animateur vient de rentrer prendre des photos. Marc ou Humette fait des photos, donc. Salut, Marc. Continue. Donc, l'hôtel pour chien ou pour chat, est-ce donc une bonne idée de fonder ce type d'entreprise, de service au cœur d'un des quartiers les plus défavorisés de l'île de Montréal? Moi, je trouve que non. Bon. Le débat est lancé. Moi, je trouve que je serais assez d'accord avec toi, moi aussi. Est-ce que c'est pas un peu déplacé de faire payer 80$ pour recevoir un chien dans un hôtel boutique quand de l'autre côté de la rue, à un jet de pierre, il y a des enfants qui fêtent l'arrivée du week-end tous les vendredis soirs en mangeant du riz avec du ketchup? T'as vu ça, toi? Oui, j'ai déjà vu ça. Ah. Mais, comme disait notre cher ministre Raymond Bachand, il n'y a pas de cette entreprise. De un, si l'hôtel est là, c'est parce qu'il y a des clients pour y aller. Et de deux, c'est une entreprise privée. Effectivement. N'est-ce pas, Méjamin, que c'est une entreprise privée? L'offre et la demande. S'il y a des gens qui sont prêts à payer pour amener... Est-ce que c'est une entreprise privée, Méjamin? Oui, bien sûr. Oh. Non? Ça sent le scandale. On récapitule. L'hôtel ouvre en 2007. On fait un bond dans le temps. On arrive le 6 mai 2009. Là, ça commence à être excitant. Vas-y. André Pratt, éditorialiste en chef de la presse. Tu connais André Pratt? Ben là. Qui était déjà, je dirais, investi de qu'il était de détrousser intellectuellement l'homme moyen. Donc, André Pratt se commet le 6 mai 2009 sur le sort de l'hôtel Museau. Tu vas me dire, Benjamin, que quand André Pratt est contre toi, c'est que somme toute, ça va pas si mal. C'est ça. Détrompe-toi, car sur le fond, à l'été 2009, rien ne va plus à l'hôtel Museau. Et là, je te cite juste un extrait de l'éditorial d'André Pratt. Je t'avertis, c'est délicieux. Je cite André Pratt. « La députée péquiste Agnès Maltais a trouvé une autre perle dans le dossier des fonds d'intervention économique régionale qui a versé 250 000 $ à un hôtel de luxe pour chiens et chats à Montréal, l'hôtel Museau. Ouais. L'établissement offre notamment des chambres avec télévision, des webcams, un gymnase et un forfait forme et beauté pour canins. La question de Mme Maltais soulève un réel débat. Le gouvernement devrait-il, et là c'est André Pratt qui parle, devrait-il financer directement ou par le biais des fiers un établissement tel un hôtel pour animaux domestiques, étant moi-même, et là je sais André Pratt, je le rappelle, donc étant moi-même amoureux des chiens, je n'ai certainement rien contre les gens qui gagnent leur vie en s'en occupant. Cependant, les hôtels de luxe pour animaux, très peu pour moi ou pour mon chien solo. Bon, moi, je suis d'accord avec André Pratt pour ça. Quand même. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas pour toi, mais moi, voir Agnès Maltais et André Pratt se battre côte à côte dans les tranchées, je trouve ça assez exceptionnel. Magnifique. Et je sais pas si tu te rends compte de toute la teneur de l'éditorial d'André Pratt. Oui, c'est vrai, on parle que l'hôtel Museau a été financé par des fonds publics, mais surtout, on parle que André Pratt est amoureux des chiens. Effectivement, c'est surprenant. Donc, non seulement il a voté oui aux deux derniers référendums, mais en plus, cet homme que moi-même j'ai si souvent critiqué à tort aujourd'hui, je me rends compte qu'il est amoureux et que son chien s'appelle Solo. Oh, révélation choc aujourd'hui. Je sais pas moi, mais ouais. ça me bouleverse un peu quand même. Je continue, j'ai pas terminé l'éditorial d'André Pratt, parce qu'on est au cœur du sujet. Tu m'arrêtes, hein? S'agit-il d'une entreprise que le gouvernement devrait aider? Sinon, où tracer la frontière entre les entreprises sérieuses que l'État peut subventionner et celles qui ne le sont pas? Les besoins dans notre société sont tellement grands, le gouvernement ne devrait-il pas mettre son argent dans des choses plus importantes qu'un hôtel pour toutou? Effectivement. Incroyable. Incroyable. Moi, quand j'ai lu ça, je suis tombé en bas de ma chaise. T'en reviens pas. Fascinant. Et à ce moment-ci, j'aimerais qu'on puisse saisir toute l'ampleur du débat de société en écoutant, si on peut, Agnès Maltais en découdre justement avec Raymond Bachand à la Grande Chambre de la Nation, le forum de notre élite politique, et j'ai nommé l'Assemblée nationale du Québec. On écoute. En question principale, Madame la députée de Taschereau. Monsieur le Président, il y a des fiers qui font des investissements curieux, mais le ministre s'en lave les mains. Alors, je vais vous parler de notre dernière trouvaille. Le fier Estrie a versé 250 000 $ à une entreprise de Montréal. Le nom de cette entreprise, miroir de l'économie régionale, l'hôtel Museau, M-U-Z-O. On est allé voir sur Internet, allez-y, c'est hôtelmuseau.com. Qu'est-ce que c'est un hôtel de luxe pour chiens et chats urbains
à Montréal. Je vous assure, les animaux de compagnie sont très bien traités, hôtel climatisé, télévision, webcam, gymnase, service de limousine, toute la grosse affaire. Est-ce que le ministre... S'il vous plaît. Collègues, j'aimerais qu'on puisse entendre correctement la question principale de Mme la députée de Taschereau. Mme la députée de Taschereau. Alors, télévision, webcam, jib, limousine, collation, lit douillet, bol surélevé. Est-ce que le ministre du Développement économique, trouve acceptable que des fonds publics de l'Estrie, un quart de million, servent à un hôtel de luxe pour animaux avec l'argent de l'Estrie à Montréal en plus? On nous dit que les fiers sont du capital de risque. Quand est-ce que le ministre va demander, quand est-ce que le ministre va faire le ménage et quand est-ce que le premier ministre va demander au vérificateur général d'enfin de se mettre les mains là-dedans? Ça n'a aucun sens, M. le Président. Incroyable, n'est-ce pas? Je suis sans voix. Moi, j'avais trouvé ça absolument délicieux. Le lendemain, l'éditorial d'André Pratt, puis je me dépêche, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, le rédacteur en chef du magazine Jaboom sonde dans l'arène à la défense du complexe museau, parce que je veux faire un peu l'avocat du diable, puis vous donner un peu tous les arguments pour que tu puisses trancher. Donc, Éric Grenier répond par écrit à André Pratt. Je le cite, « Les députés à l'Assemblée nationale se sont battus comme des chats de ruelle hier à propos d'un investissement dans l'entreprise Hôtel Museau. L'entreprise, contrairement à ce que laissent entendre certains commentateurs et députés, n'est pas un hôtel pour chiens et chats, mais une pension pour chiens et chats comme il en existe d'autres. Celle-ci, par contre, cherche à se nicher dans le marché haut de gamme des soins aux animaux, marché peu développé au Québec. Et là, Éric Grenier vient servir une droite solide à André Pratt en lui répondant ceci. Il n'y a pas de subvention, mais un investissement d'une prise de capital dans l'entreprise. À moins qu'on démontre qu'il y a eu malversation, les réactions du genre de celles d'André Pratt relèvent de la démagogie. C'est à quoi moi je répondrais, André Pratt, démagogue, je n'y crois pas une seule seconde, mais je continue. Les seules questions, entre autres, à se poser dans les possibilités d'investissement des fiers sont, est-ce que c'est une entreprise qui a des chances de réussir? Crée-t-elle de l'emploi? Est-ce légal? Et surtout, surtout, la question, est-ce socialement acceptable? Alors là, on vient de toucher, je pense, le cœur du débat. Est-ce que l'Hôtel Museau est un investissement public socialement acceptable? C'est la question que tu lances à C'est la question que je lance. Ils peuvent répondre sur la page Internet. Ils peuvent répondre ou t'appeler directement en onde. Parfait. J'avais d'autres petits textes, mais je sais qu'on est à court de temps. Peut-être que je reviendrai la semaine prochaine. Mais... J'avais d'ailleurs un texte délicieux philosophique d'un philosophe français qui s'appelle Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire. Je pense qu'on pourrait revenir la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine avec la suite de l'Hôtel Museau. Mais écoutez, hein, c'est les publicités qui nous appellent. Et voilà. Merci beaucoup pour ta présence, Marc-André. Peut-être la semaine prochaine. Merci d'avoir Peut-être aussi que je vais trouver un autre sujet, je ne sais pas. Peut-être aussi, mais merci d'avoir soulevé le débat. C'était très intéressant. On passe aux publicités. Merci. Et on se retrouve tout de suite après.